était entré. That had entered. Et qui avait trouvé la Bible. And it had put a hole in the Bible. Et s'était arrêté sur un niveau. And he had stopped on a certain level. Il prend sa Bible. He took his Bible. Il ouvre. He opened it. Et trouve, ça s'était arrêté là où c'était écrit. It stopped where it was written. That a thousand will fall on your right, 10,000 on your left. Tu seras jaloux. You will never be rich. Il prend sa Bible. He took his Bible. Il dit, Père, he said, Father, tu es glorieux. You are glorious. C'est ce qui nous est venu. That is how we came. Et il était un de nos anciens églises. And he was one of our elders in the church. Il prend le mâchoir. He took the jawbone. 1,000 tops. A thousand fell. Tes ennemis tomberont. Your enemies shall fall. Sur lui. Tomberont sur lui. Tu as la puissance de Dieu. Tes ennemis tomberont parfois sur ta parole. Your enemies sometimes shall trip on your word. Prononce ta parole. You pronounce words. Parce que si tu n'as plus rien. Because if you no longer have nothing, at least you have your. Qui va prononcer une you parole? You pronounce a word. Qui va condamner tes ennemis? That will condemn your enemies. Et ta parole peut mettre la confusion. Your word can bring confusion. Regardez cette histoire. Look at this story. Samson va tuer 1,000. Samson killed 1,000. Plein de puissance. Full of power. Mais dans cette procédure. But in that process, that procedure. Il va aimer une femme. He loved the woman. Qui s'appelait Delilah. That was called Delilah. Cette femme était truquée. This woman was there to trick him. Il dit mais lisons. Let us read. Lisons. Juges 16. Judges 16. Lisons le verset 4 et 5. Verse 4 and 5. Il explique au fruit. Afterwards, it happened that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. And the lords of the Philistines came up to her and said to her, entice him and find out where his great strength lies and by what means we may overpower him and we may blind him to afflict him and every one of us will give you 1,100 pieces of silver. Écoutez-moi bien. Listen to me well. Il aime une femme. He loved the woman. La femme va entrer en complot. The woman went into a plot. Avec les ennemis. With the enemies. Les ennemis viennent. The enemies came. Ils disent à Delilah. And said to Delilah. Va le flatter. Go and entice him. J'ai pas le temps de vous parler comment vos ennemis peuvent venir par la flatter. I don't have time to explain to you how your enemies can come through flattery. Si tu n'es pas connecté au trône if de la grâce. If you are not connected to the throne of grace. Tu vas tomber sur le coup de Delilah. Upon your enemies. Parce que les ennemis ont parfois la procédure. Because enemies sometimes they have a process that mais they follow. Mais qu'est-ce que tu es tellement belle. You are so pretty. Tu es tellement belle. When you smile, you look like an angel. Tu es comme une ange. When you smile, you look like a morning star. Tu es comme une étoile de matin. Oh, I like a morning star. Tes dents sont comme les étoiles. Oh, when you walk, you like an angel. Tu es comme un ange. Even like angel, like a angel. L'ange Michael n'est pas you comme toi. Know? Comment est-ce que how do you know? Tu connais? That she's more than elle est plus qu'un ange. Ce sont des flatteries. They are just flatteries. Ça sont des flatteries. They are nothing but flatteries. Dites le flatter. Nous voulons connaître d'où vient ta puissance. Nous te donnerons chacun. Give you each one ah si, c'est combien d'argent? 1,100 pieces of silver. C'est 1,100, c'est 1,150 pièces d'argent. 1,100 pieces of silver. D'argent. 1,100. Et elle va accepter l'argent. And she accepted the money. Je ne sais pas combien d'argent on lui avait donné. I don't know how much money they gave her. Mais la Bible dit que chacun avait promis de lui donner 1,100. 1,100 pieces of silver. Amen. Chacun donné, nous te donnerons chacun. They said each one of us will give you. Chacun give 100, 11, 100, and then I want 11. And so the Delilah
chez l'autre man même. Celui-là a vu beaucoup d'argent. L'autre man même. Il a dit que non, c'est beaucoup d'argent. 1100, 1100. But how many are you there? So now, il y a combien de plus? He has killed already 1,000. Il a déjà tué. Thousand, they were, let's say there were also 1,000. Si on dit que c'était aussi. So he saw, he counted the money in millions. Elle a compté l'argent, c'était. Yeah, count yourself how many you are there. Count yourself how many you are there. Comptez-vous d'abord. Si nous sommes à 100. Des erreurs qui nous donnent 10 money there. Ok, donnez-moi l'argent. They gave money. On a donné l'argent. Then she went. Elle est partie. Si, Samson. Elle est partie chez Samson. If you love me, my si boy. My boy. Peut-être Samson était plus âgé qu'elle. Maybe Samson was even older than her. Mais il appelait my boy. When she was calling him mon fils. Il said, tu peux être une grande personne. You can be an old person. Ta fille, c'est une petite fille. Your little girl is a little girl. Il t'appelle juste my boy. My boy, hey, tu te sens mon bébé, et toi aussi tu te sens trop jeune. You also oh, so young. You are not a boy, you are not a boy. Tu n'es pas person. Un bébé, tu es adulte. C'est correct, c'est my boy, my baby, my sweetheart, my honey, you love me. Tell me the truth. Dis-moi la vérité, si tu m'aimes. Where your power is coming from. Ta force vient d'où? Say no, you like me three times. Tu m'as menti il y a trois fois. If you like me, my honey. Si tu m'aimes. Et commence à me gratter sur les cheveux. Et Samson était et tout. Et mon Dieu. And Samson was a my God, my God. Et je pense que Delilah c'était. I believe Delilah was very well dressed.